Dans l'actualité de ce mercredi 29 septembre, les entreprises d'insertion de la région en grande difficulté. Malgré leur efficacité, ces entreprises peinent à financer cette insertion. Les audiences du palais de justice étaient très perturbées aujourd'hui. Les avocats étaient en grève pour protester contre le projet de loi modifiant les conditions de la garde à vue. Le recrutement de bénévoles à la Banque alimentaire, l'association organise demain une journée porte ouverte pour trouver des bras et des compétences pour son activité quotidienne. Les entreprises auvergnates d'insertion dans le rouge. En 2010, trois d'entre elles, je vous le disais, ont déposé le bilan et une a cessé son travail d'insertion. En cause, des accompagnements de plus en plus lourds à financer et des aides de l'État qui ne suivent pas. Fabien Gandillon. À première vue, rien ne distingue la cuisine du 6-3 de celle des autres restaurants clermontois. Rien, ou presque. Ici, on met au fourneau des jeunes en difficulté. Ils ont beaucoup de mal à trouver un emploi ailleurs. Il s'agit donc de leur donner une formation, de les réintégrer dans le monde du travail, et même un peu plus que cela. C'est accompagner vraiment au quotidien, donc dans les tâches les plus simples, pour aider les jeunes à trouver un rythme de travail, un rythme de vie tout simplement, les habituer à se lever le matin, à ne pas faire la java tous les soirs, ou alors tout au moins à être présent le lendemain au travail et à occuper leurs fonctions. Donc c'est vraiment tout ça, c'est leur apprendre un rythme de vie. Pour pouvoir embaucher ces personnes et assurer leur encadrement, les entreprises de réinsertion comme celle-ci reçoivent une aide de l'État et de l'Europe. Problème, le montant de celle-ci n'a pas bougé depuis 10 ans. L'inflation, elle, a fait grimper les salaires, une différence qui pèse de plus en plus sur les comptes de l'entreprise. Cette aide est la même que lorsque nous avons créé l'entreprise 6-3 en 2000. Or, le SMIC chargé, c'est-à-dire avec les charges sociales, a augmenté, lui, de 41%. Donc imaginez bien que les budgets prévisionnels qu'on avait pu faire à l'époque, ça devient n'importe quoi. Résultat, cette année, sur la trentaine d'entreprises d'insertion que compte l'Auvergne, trois ont déposé le bilan et une a renoncé à l'insertion. Pour la première fois dans la région, le nombre de ces structures va donc reculer, de quoi nourrir bien des inquiétudes. Pour une fois qu'il y a une mesure sociale qui s'adresse à des personnes en situation d'exclusion, etc., où franchement on représente un rempart sérieux contre l'exclusion, eh bien ce financement qui par ailleurs apporte des sous à l'État à un moment où les caisses ont plutôt l'air d'être vides, eh bien finalement on le laisse, on ne le réévalue pas et nous allons nous retrouver en extrême difficulté dans les prochaines années. Les chefs d'entreprises d'insertion ne cessent donc de demander une revalorisation de leurs aides. Pour l'instant, silence radio du côté de l'État. Aucune augmentation ne semble à l'ordre du jour. En bref, une employée de la mairie de Thiers a été jugée hier pour avoir détourné l'argent des places du cimetière. Depuis 2000, cette quinquagénaire aurait encaissé à son nom près de 135 chèques de particuliers pour l'acquisition ou le renouvellement de concessions funéraires. Elle demandait à ces personnes de ne pas remplir d'ordre, assurant qu'elle apposerait un tampon. Les sommes détournées s'élèveraient à près de 61 000 euros. 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, ont été requis contre cette ancienne employée pour abus de confiance. Le jugement sera prononcé le 18 octobre par le tribunal correctionnel de Clermont. La Banque alimentaire d'Auvergne a besoin de volontaires. C'est la première raison pour laquelle elle organise demain cette journée porte ouverte. Plutôt que de l'argent, l'association recherche activement des bénévoles pour fournir l'alimentation à quelques 180 associations caritatives. La Banque alimentaire Auvergne collecte et redistribue effectivement dans les 4 départements de la région. Et pour cela, il faut des bras. Ariane Monfray et Marc Véry. La Banque alimentaire d'Auvergne fonctionne actuellement avec une trentaine de bénévoles en plus de la dizaine de permanents. Les besoins sont grands puisque la direction voudrait recruter 20 bénévoles de plus afin de stabiliser les effectifs. En effet, plus il y a de monde et meilleure est la répartition du travail car la bonne marche de l'association nécessite l'accomplissement de tâches variées et de nombreuses compétences. On a besoin de chauffeurs, poids lourds, voitures légères, fourgons plutôt, de personnes pour manutentionner les produits, de personnes pour accueillir les associations et les servir. On a besoin de personnes de gestion ou de contacts commerciaux avec les grandes surfaces et les magasins. Dans le Puy-de-Dôme, 78 associations caritatives bénéficient de l'aide de la Banque alimentaire. Cela représente 750 tonnes de nourriture ou encore 1,5 million de repas distribués chaque année. Pour la Banque alimentaire, tous les bénévoles sont précieux, quel que soit leur profil. Chez nous, actuellement, 80% des bénévoles sont des pré-retraités ou des retraités. Nous, ce que nous souhaitons, ce sont des gens qui veulent se donner de leur temps,
une matinée, deux matinées, trois matinées dans la semaine, parce qu'on a plutôt une activité du matin, et qui est du cœur. Avec un coût de revient de 3,5 centimes d'euros par repas distribué, la Banque alimentaire Auvergne parvient à un véritable tour de force pour aider quelques 12 000 démunis chaque année dans notre région. Mais elle ne demande pas d'argent, mais bien des bénévoles pour poursuivre son action. Les audiences étaient rares et souvent perturbées aujourd'hui au palais de justice. Les avocats du barreau de Clermont ont suivi un mouvement de grève initié au niveau national. Ils s'insurgent contre un projet de loi autour de la garde à vue qui pourrait réduire l'intervention des avocats. Symboliquement, une cinquantaine d'entre eux se sont retrouvés cet après-midi devant le palais de justice. Romain Duché. Les robes noires s'inquiètent pour les justiciables. Si le projet de loi est adopté tel quel, il suffira d'une demande du parquet et les avocats ne seront appelés qu'au bout de 12 heures de garde à vue. Les avocats, eux, veulent pouvoir intervenir dès les premières minutes. Le droit de la défense est en jeu, selon eux. On n'est pas forcément demandeur pour aller passer nos nuits dans des commissariats. Je crois que c'est plus la défense des gens qui est en jeu. Parce qu'on a une éthique et qu'on pense qu'il est nécessaire de le faire, on le fera. Mais encore une fois, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, c'est pour les... Pour ceux qui sont susceptibles d'être placés en garde à vue. Autre sujet qui fâche, le gouvernement voudrait développer les auditions libres. Cela remplacerait les gardes à vue dans de nombreux cas et cela se ferait sans avocat. Le bâtonnier de Clermont s'insurge. Pour lui, l'avocat n'est pas là pour gêner les enquêtes. L'avocat est auxiliaire de justice. Et il participe à ce que le droit soit respecté dans le cadre d'une procédure pénale. Et dans une procédure pénale, il ne peut pas y avoir une partie qui aurait tous les droits. Le parquet ne peut pas avoir tous les droits. Il s'agit de trouver un équilibre entre poursuite et défense avec un juge indépendant qui tranche. Avec une cinquantaine d'avocats réunis à Clermont, la mobilisation est restée très modeste aujourd'hui. Pourtant, le sujet concerne beaucoup de monde. L'an dernier en France, on a compté près de 900 000 gardes à vue. Et du sport pour refermer ce journal. Le Clermont Foot Auvergne veut réaliser la passe de 3. Vendredi soir, les Clermontois auront l'occasion, face à l'équipe d'Evian, de décrocher une troisième victoire consécutive à domicile. Un défi de taille lorsque l'on sait que le club auvergnat possède à ce jour la plus mauvaise défense de Ligue 2. Martial Delecluze. 15 buts encaissés en 8 journées de championnat, la défense du Clermont Foot Auvergne est la plus perméable de Ligue 2. Et pourtant, lors des 4 dernières journées, les hommes de Michel Derzakarian ont engrangé 7 points sur les 9 qu'ils possèdent actuellement. Un bilan plutôt satisfaisant. Au niveau comptable, oui. Après, dans le jeu, pas forcément, parce qu'on a vu que c'était quand même assez laborieux. Le dernier match, on mène 2-0, on se fait remonter de 2. Donc si, au niveau comptable, c'est bien, il faut continuer d'engranger des points, mais bon, il y a beaucoup mieux à faire encore. Mais voilà, le challenge est de taille. Entre blessé et suspendu, l'entraîneur clermontois n'a guère le choix pour composer sa défense. Dans un tel contexte, tout relâchement est à proscrire. Le discours du coach, c'est essayer d'être rigoureux défensivement, gommer les petits détails qui font qu'on prend des buts et surtout avoir un bloc équipe plus solide. Et à défaut d'être suffisamment rigoureux en défense, le Clermont Foot Auvergne pourra toujours compter sur ses artilleurs. À ce jour, le club auvergnat possède la 4e meilleure attaque de Ligue 2. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo suivie de l'invité de la rédaction. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.